écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de 12h30 présenté par Siham Bacha. Siham, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire, l'entité sioniste lourdement critiquée pour avoir ciblé des forces de maintien de la paix de l'ONU au Liban. Le président du Parlement iranien s'est rendu ce samedi sur le site de l'attaque meurtrière qui a fait 22 morts à Beyrouth. Chez nous, on parlera de ces navettes qui relient désormais l'aéroport international d'Alger à la wilaya de Tizi Ouzou. La première a démarré ce matin à 5h depuis l'aéroport Ouali Boumediene. Des mesures sont annoncées pour faire baisser les prix ou le prix des pommes. Des espaces seront aménagés dans les marchés de gros pour une vente directe aux consommateurs. Et puis sport football, l'équipe nationale est au Togo en prévision de son quatrième match des éliminatoires de la CAN 2025 en Ligue 1 suite de la quatrième journée avec cette affiche JSK contre CS Constantine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les 10 membres élus du Conseil de sécurité de l'ONU, dont l'Algérie, ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet des attaques contre plusieurs positions de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, le 10 et 11 octobre, lors desquelles plusieurs soldats de la paix ont été blessés. L'entité sioniste fait face à une salve de critiques internationales concernant ces attaques et son offensive militaire au Liban. Joe Biden lui-même a réagi, mais rien ne semble dissuader l'armée d'occupation qui a sommé ce samedi les habitants du sud du Liban de ne pas retourner chez eux. Kalima Hasnaoui. L'armée d'occupation sioniste exige aux citoyens du nord de la bande de Gaza d'évacuer de force leurs maisons. La zone ciblée comprend aussi les abris existants destinés à des dizaines de milliers de civils de déplacés palestiniens. Il s'agit du camp de Jabalia et des villes de Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanoun. Toutes ces régions sont actuellement sous siège de l'occupant depuis déjà une semaine. À la frontière avec les territoires palestiniens occupés, les habitants du sud du Liban, eux aussi, sont sommés par l'agresseur sioniste de ne pas retourner chez eux. L'occupant sioniste veut étendre sa présence militaire sur l'ensemble des territoires entourant la ligne bleue. Explication de Dimitri Diliani, membre du Conseil révolutionnaire du Fatah. التطهير العرقي هو جزء أساسي من الأيديولوجية الصهيونية التي أقيمت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي. Le nettoyage ethnique est un élément essentiel de l'idéologie sioniste sur laquelle a été fondée l'entité. Le nettoyage ethnique est également devenu une partie intégrante de la stratégie militaire d'Israël dans l'occupation et le contrôle des territoires palestiniens et libanais. C'est bien sûr le cas aujourd'hui en empêchant les citoyens palestiniens de Gaza de retourner vers le nord. Le même cas se produit dans le sud du Liban, où des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir vers le nord du pays. Exode forcé pour les habitants du sud Liban et du nord de Gaza, alors qu'au sud, le massacre de centaines de civils se poursuit. 49 civils palestiniens, dont des enfants et des bébés, ont été tués, alors que plus de 219 autres ont été blessés lors de 5 massacres contre les familles. Le dernier en date, le massacre de Jabalia et son camp de réfugiés, où 25 civils ont été tués et dizaines d'autres blessés. Ce matin, l'agression se poursuit au cœur de la ville de Gaza, à Braïej. 3 civils tués et d'autres ont été blessés lors d'un bombardement d'une maison par un drone de l'occupation sioniste. La résistance à la fois libanaise et palestinienne ne faiblit pas et assène des défaites considérables à l'armée d'occupation. Selon les dernières informations, la ville palestinienne occupée de Haïfa a été ciblée il y a quelques minutes par une salve de missiles, alors que les brigades Al-Qassam, le bras armé du Hamas, ont indiqué sur Telegram que des combattants palestiniens avaient utilisé des obus explosifs anti-blindage Yassine 105 dans le quartier d'Al-Janina à l'est de Rafah pour frapper 2 chars et des bulldozers de l'armée d'occupation. Plus tôt dans la journée, ils ont fait exploser un puissant engin sur une force sioniste à pied composée de 15 soldats, faisant des blessés et des morts. De son côté, le Hezbollah poursuit ses ripostes et a pris pour cible un rassemblement de soldats israéliens dans un village du nord des territoires occupés avec une salve de roquettes. Et le président du Parlement iranien s'est rendu ce samedi sur le site de l'attaque meurtrière de Beyrouth. Tout à fait, le président iranien Mohammad Bagher Ghalibaf s'est rendu ce matin sur le site d'une frappe sioniste meurtrière qui a eu lieu jeudi à Beyrouth en compagnie des députés libanais. Le président du Parlement iranien est à Beyrouth pour
s'entretenir avec les autorités du Liban et réannoncer encore une fois le soutien de la République islamique à la résistance palestinienne et au peuple libanais contre les crimes sionistes. C'est l'heure de l'appel à la prière, on revient tout de suite après. La suite du journal, avant l'appel à la prière, nous évoquions la situation en Palestine occupée. Médecins sans frontières appellent à l'acheminement de matériel humanitaire dans le nord. L'organisation demande des mesures visant à garantir la protection des civils et des hôpitaux et à permettre l'entrée le plus rapidement possible des fournitures humanitaires dont le besoin est urgent. Personne n'est autorisé à entrer ou à sortir et quiconque essaie est tué, a déclaré la coordinatrice du projet MSF, notant que 5 membres du personnel de MSF sont coincés dans le camp de Jebel Lyek, craignant pour leur vie. Les travaux de la 3e édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental se poursuivent ce samedi à Bilbao en Espagne avec la participation d'environ 220 participants à l'atelier. Tracer des routes de solidarité sera axé sur la participation active des jeunes justement à cette cause. Des membres de l'Assemblée populaire nationale ont pris part à une conférence débat à New York sur la cause sahraoui organisée par l'Association internationale des juristes pour le Sahara occidental en marge de leur participation aux travaux de la 4e commission des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales et de décolonisation. Les navettes, le train et bientôt le métro, l'aéroport international d'Alger est de plus en plus connecté au transport en commun. Une nouvelle liaison a été inaugurée ce matin, des bus reliant la wilaya de Tizi Ouzou à l'aéroport Houari Boumediene. Les détails avec Anissa Irlef, directrice de Letusto, l'entreprise de transport urbain et suburbain de Tizi Ouzou. Elle est au micro de Smaïl Mimouni. Nous avons mis en place des vannes 1 de 24 places et 2 de 15 places et un fourgon de 12 places. Concernant les tarifs, 700 dinars par personne, nous avons établi un programme initial qui peut être changé selon les besoins de voyageurs. Le premier départ, ce sera de Tizi Ouzou, de la station Timisoara à partir de 5h30 du matin et le retour de l'aéroport à partir de 7h30. Et le deuxième départ, c'est 17h30 et le retour de l'aéroport à partir de 19h30. Programme pour le week-end. Concernant le programme de la semaine, le premier départ de Tizi Ouzou à 5h30, le retour de l'aéroport, ce sera à 7h30, le deuxième départ de Tizi Ouzou, ce sera à 9h, le retour de l'aéroport, ce sera à midi, le troisième départ, 11h de Tizi Ouzou et le retour à 13h, le quatrième départ de Tizi Ouzou, ce sera à 14h, le retour à 15h30, le cinquième départ, ce sera à 17h30 de Tizi Ouzou, le retour de 19h30 à partir de l'aéroport d'Alger. Au volet consommation, le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce ont annoncé une série de mesures pour limiter la hausse des prix de la pomme dont la production est abondante cette année. En effet, les marges bénéficiaires des intermédiaires sont considérables, ce qui a fait exploser le prix de ce fruit sur le marché. Soraya Roslan. Parmi ces mesures, l'ouverture d'espaces de vente directe gratuits au profit des agriculteurs et des producteurs de pommes au niveau de tous les marchés de gros relevant de la société publique Magos. Les agriculteurs peuvent aussi disposer de 144 points de vente pour commercialiser leurs produits aux consommateurs, y compris les grandes surfaces. Les entreprises publiques Sarpa et Frigomedi sont tenues d'acheter sans marge bénéficiaire des récoltes de pommes auprès des agriculteurs. Brahim Djerebia, président de la Chambre de l'agriculture d'Alger, commente ces mesures. Vraiment des mesures à encourager, essayer d'organiser la commercialisation. Et les mesures qui ont été prises pour le stockage et pour les déclarations, ce sont des mesures à encourager. Et le plus important, maintenant, les Hinchilabatna sont devenus des pôles économiques. Et dans 3 ans, on aura les pommes à des prix abordables. Propriétaire de pommes à Hidoussa, dans la wilaya de Betna, Nora Khlifi salue ces mesures. Je suis très fière, à nous des forjoualogies. Je salue les mesures prises par le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce concernant la cherté du prix de la pomme. En tant qu'agricultrice, je suis très satisfaite. Grâce à ces mesures, le consommateur pourra s'offrir des pommes. La filière de pommes a enregistré de bons résultats. Cultivée sur une superficie d'environ 100 000 hectares en moyenne, la région des Aurès est réputée pour sa production de pommes, notamment dans les wilayas de Khenchla et Betna. La filière des pommes connaît une dynamique grâce aux nouvelles techniques intensives de production et des mesures incitatives de l'État.
On continue à s'intéresser à la formation professionnelle. Savez-vous quelle a été la formation la plus demandée cette année par les jeunes? Eh bien, c'est celle d'électricité auto. La filière affiche complet de manière générale. Les formations qualifiantes dans les métiers manuels sont particulièrement convoitées. Reportage de Smaïl Mimouni. De nos jours, devenir un plombier, un mécanicien ou même une couturière offre plus d'opportunités aux jeunes d'accéder au marché du travail. Âgés de 16 et 17 ans, Nessima et Ayman nous expliquent pourquoi ils ont choisi ces domaines. J'ai choisi le domaine de la couture parce que ma mère est déjà couturière et j'aime ce métier depuis que j'étais petite. J'ai commencé ce stage hier et il durera une année. Mon objectif est de travailler directement après l'obtention de mon diplôme et de devenir une grande couturière. J'ai un niveau scolaire de 4e année secondaire. Je rêve de devenir plombier depuis que j'étais petit. Je veux suivre les traces de mon père qui est déjà plombier. C'est un métier d'avenir. Le plombier est aussi très sollicité. Pour un bon apprentissage, il faut seulement l'aimer et puis se concentrer sur son objectif. Le nombre de jeunes inscrits dans les métiers manuels augmente d'année en année. Zignoun Mohamed, professeur de mécanique auto au centre de formation de Gate Constantin. La majorité des jeunes stagiaires optent pour les métiers de mécanique auto, électricité auto, la plomberie. Ces métiers sont très demandés. Les jeunes apprentis passent 1 à 2 jours par semaine au CFPA et les autres jours, ils sont à l'atelier en dehors de l'établissement pour la pratique. Le nombre de stagiaires varie d'année en année. Il a franchi ces dernières années les 100 stagiaires. Cette année, pour l'instant, on en est à 60 stagiaires inscrits déjà dans la branche électricité auto. L'émergence des petites et moyennes entreprises, tous domaines confondus, engendre aussi l'augmentation des formations dans les métiers manuels. Les pouvoirs publics veillent également à développer l'écotourisme à Tlemcen. Le projet a été baptisé Green Paradise et sera baptisé à l'occasion du 1er novembre. Amina Djawi est notre correspondante sur place. La wilaya de Tlemcen s'inscrit pleinement dans la stratégie gouvernementale de développement du tourisme durable avec le projet Green Paradise sur les hauteurs de la City, actuellement en phase de réalisation. Une initiative portée par l'entreprise Sarl Lala City entre dans sa phase finale de préparation. Monsieur Omar Aissaoui, responsable de la communication, souligne que cette future forêt récréative incarnera parfaitement les objectifs nationaux de promotion d'un tourisme respectueux de l'environnement. On s'est dit pourquoi pas réfléchir sur un projet dans le cadre de l'écotourisme. Et c'est à partir de là, il y a eu cette entreprise Sarl Lesti dont le président M. Sherani Ahmed. Le projet en lui-même, il est sur une superficie de 13 hectares, animé par des activités de base, à savoir l'acrobranche, les espaces pour les enfants. Il y aura aussi de la restauration gastronomique pour que les gens comprennent qu'il s'agit vraiment de valorisation des produits de terroir local. Voilà, il y a des kiosques qui sont construits pour la vente des produits du terroir. Nous sommes en phase à 10% de la finalisation. Nous espérons l'inauguration le 1er novembre parce qu'il est symbolique sur le plan personnel et puis sur l'ensemble de la nation qui est Indi Lathor Tare. Le 1er novembre prochain, jour symbolique de notre histoire nationale, Tlemcen donc dévoilera un projet innovant qui ouvrira la porte vers un avenir plus vert, plus local, plus durable. De Tlemcen, Amina Bejaoui pour Al Jishan 3. L'université de Umm El Bouaghi abrite ce week-end une conférence internationale sur les matériaux innovants. Elle regroupe des chercheurs algériens et des intervenants venus de plusieurs pays. La correspondance de Nasser Benissam. L'Institut des sciences et techniques appliquées de Ain Mlila, relevant de l'université Al-Harbi Ben Mihdi d'Umm El Bouaghi, abrite depuis ce matin les travaux d'une conférence internationale de 2 jours sur les matériaux avancés, l'énergie et les technologies. Un événement scientifique auquel participent des chercheurs et universitaires algériens et aussi des conférenciers venus de l'étranger, France, USA, Hongrie et Turquie. Un sujet d'actualité en relation avec les grandes mutations que connaît le monde. Plus d'explications avec Dr Rahmouni Khoula, présidente de la conférence. La première conférence en matériaux avancés et techniques des énergies a été conçue comme une plateforme permettant aux chercheurs, aux scientifiques et aussi aux professionnels du monde entier de partager leurs idées et leurs avancées dans domaines essentiels pour relever certains défis mondiaux les plus urgents comme la durabilité énergétique, l'innovation des matériaux et aussi la volonté d'atteindre un avenir plus respectueux de l'environnement. Au
cours de ces deux jours, nous nous engagerons dans des discussions significatives qui inspirent de nouvelles idées et solutions à ces problèmes mondiaux. Des opérations de relogement sont prévues ces jours-ci à travers plusieurs wilayas à Sokara. Ce sont des centaines d'appartements, toutes formules confondues, qui seront livrées à leurs bénéficiaires. Sadak Bouraoui. Le parc immobilier de la wilaya de Sokara adopte une stratégie prometteuse pour résorber la crise du logement que connaît cette wilaya frontalière. Soucieuse de cette situation, les hautes autorités de l'État n'ont pas manqué d'affecter des programmes plus ou moins importants dans la réalisation de logements, toutes formules confondues. Et on citera en ce sens 769 logements type LPL social qui sont enfin prêts pour qu'ils soient distribués dans les prochains jours. En plus de 1100 arrêtés d'attribution d'aides financières en logement rural et autres constructions sur lotissements sociaux implantés à travers plusieurs communes que compte la wilaya, sans oublier qu'à la fin du premier semestre de l'année 2025, il sera réceptionné 1010 logements LPL, 100 logements formule ADL et 300 logements formule LPA. De Sokara, Sadak Bouraoui pour Al-Jishan 3. Deux personnes âgées d'une quarantaine d'années sont mortes ce matin dans un accident de la circulation survenu à Ouran. Le véhicule, une petite camionnette, s'est renversée sur le chemin de Wilaya numéro 91 entre Bosfor et Ain Turk, selon la gendarmerie nationale. Et le bilan des dernières 48 heures est effrayant. La protection civile fait état de 20 morts et près de 480 blessés. On arrive au sport. Nassima Djaout, bonjour. Bonjour. On va d'abord parler de la sélection nationale qui sera ce soir à Lomé, au Togo. Les Verts rallieront ce samedi la capitale togolaise Lomé en prévision de leur match face au pays hôte lundi 14 octobre au stade de Kégué à partir de 17h pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les joueurs de l'équipe nationale ont repris les entraînements hier vendredi en début de soirée au lendemain de leur belle victoire 5-1 obtenue devant le Togo au stade du 19 mai 56 de Annaba. C'était pour le compte de la troisième journée des éliminatoires. La sélection nationale, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a scindé son effectif en deux groupes pour cette séance d'entraînement qui s'est déroulée sur la même pelouse principale, celle du 19 mai 56 de Annaba. Les titulaires du match de la veille ont eu droit à un décrassage, tandis que les autres joueurs ont effectué un entraînement intensif. Et puis, des nouvelles de Jawan Hajem, arrivé en sélection légèrement blessé lundi dernier. Eh bien, il n'est pas totalement rétabli, ne fera pas le voyage au Togo aujourd'hui. Et le sélectionneur national, Petkovic, a décidé hier de libérer Hajem, qui va rejoindre son club dès demain matin. Et puis, toujours dans le groupe de l'Algérie, eh bien, pour le compte de la troisième journée, la Guinée équatoriale a battu le Libéria 1-0. L'Algérie occupe seule la première place avec 9 points, n'a plus besoin que d'un seul petit point de son déplacement à Lomé, en affrontant lundi le Togo pour valider son billet pour la CAN 2025. La Guinée équatoriale est deuxième avec 4 points, le Togo troisième avec 2 points, le Libéria bon dernier avec seulement un petit point. En championnat national, on va continuer à jouer pour le compte de la quatrième journée avec à la FIJ JSK contre CSC. Jeunesse sportive de Kabylie, quatrième au classement, qui affronte le CS Constantine, 12e au classement, le CSC qui est déjà sur un autre front, la Coupe de la CAF, et c'est un classique du championnat. Ça sera à partir de 17h45 à 19h, Shabab de Blouzded, toujours à la recherche de sa première victoire et qui occupe la 12e place, affrontera la Lanterne Rouge, le Mouloudia d'El Bayed, je rappelle, 19h. Et Nejm Magra accueillera l'US Biskra à partir de 16h. Ça, ce sont des rencontres que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'AG Chain 3. Je rappelle que Herbo occupe la première place après sa victoire hier sur le Paradou, 3-1. L'entente de Sétif a perdu à Béchar, perdu donc devant la JS Saoura, 3-2. Et le Mouloudia d'Alger s'est imposé hier face au Mouloudia d'Oran, 1-0. Le 12e Festival international du théâtre se poursuit à Béjaïa. En plus des représentations, des ateliers de formation sont proposés aux participants, comme celui portant sur l'adaptation des pièces de théâtre au cinéma. Sidali Fares.
Le jeu scénique est un levier essentiel pour construire les compétences de communication orale dans leur globalité et comportement paralinguistique, gestes et actions, langage du corps. Erwan Dujardin revient sur comment passer de la scène à l'écran. Être capable de transformer sa capacité et ses talents scéniques à un jeu caméra, qui est un jeu qui est un peu plus ramassé, un peu plus minimaliste, c'est-à-dire qu'on a moins besoin d'en faire la caméra, c'est plus intérieur, puisque c'est la caméra qui va venir chercher sur le comédien de l'émotion. Et il n'y a pas, comme sur une scène au théâtre, ce besoin de projeter beaucoup la voix, exprimer des émotions pour que le public du 4e, 5e, 10e rang le voit. Donc on est sur une transformation d'une qualité théâtrale vers une capacité à jouer devant la caméra. Et moi j'essaie de les accompagner à ça et de leur donner cette expérience-là. Est-ce que c'est facile de travailler sur scène ou face à la caméra? Des bons acteurs de théâtre vont plus facilement aller vers la caméra ensuite, parce que qui peut le plus peut le moins. Quand on a une base théâtrale solide et qu'on est un peu technique au théâtre, on peut gommer, effacer, rendre un peu plus petit des choses à la caméra, ça posera pas de problème. En revanche, dans l'autre sens, il y a des acteurs qui sont très doués à la caméra, mais quand vous les mettez sur un plateau, sur une scène de théâtre, ils vont pas passer la barre, quoi. Ils vont pas réussir à porter la voix, ils vont pas bien se déplacer dans l'espace, ils vont pas savoir le faire. Je pense que c'est plus facile de passer du théâtre à l'image que de l'image au théâtre. Rendez-vous ce soir avec la pièce Les Huawei de Constantine de Béjaïa, c'est Ali Fares, Alger Chaîne 3. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadoué, Amine Segni. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés, Mariam Mété à la régie d'antenne, les deux Yassine, l'un au streaming vidéo, l'autre à la technique.